Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que vous allez bien tout le monde et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer en remerciant tout le monde, tous vos commentaires avec le podcast précédent, avec celui de la semaine passée qui était Raymond Boulanger. J'ai adoré lire vos commentaires positifs, c'était super le fun. Gros merci du support, puis c'est toujours très 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 apprécié. Puis là, cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité? Encore un autre légende, si on finit pas au WhatsApp. Hein, on recevait nul autre que Michel Courtemanche, man. J'ai été crissement honoré de l'avoir sur le podcast. En plus, on a pu parler de sa nouvelle plateforme. Ça s'appelle Coma TV, OK? Coma, c'est Coma.tv, c'est ça? Attends, rien que faire sûr, non. Coma.tv, OK? Fait qu'allez checker ça sur Instagram. On en a parlé, Chris, en long puis en large, je pense, pendant comme 20 minutes. Fait que tous les détails sont là si ça vous intéresse puis si vous êtes intéressé. Et aussi, on a parlé plein d'autres sujets, comme entre autres... c'était quoi d'autre? Ouais, c'était... l'anniversaire de ses 21 ans de sobriété et tout le processus, tout le chemin... Que ça l'a amené vers la sobriété, comment que c'était difficile aussi, fait que c'était vraiment très très intéressant. Puis on a aussi passé à travers tout le début de sa carrière, puis là après ça on manquait un peu de temps vers la fin là, fait que j'ai essayé de repasser tous les moments intéressants puis de qui ont marqué sa vie là, t'sais, fait que c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé à recevoir Michel. C'est le fun parce qu'il s'est vraiment laissé aller dans le podcast. Il s'est beaucoup ouvert. Il a été très généreux. Fait que un énorme merci à Michel Courtemanche. Allez checker sa plateforme comatv.tv. Ou sinon, je vous incite tout le monde. Merci les Patreons. Hein, merci tous ceux qui sont membres. C'est grâce à vous autres que je peux faire ce podcast-là. Hein, moi, c'est le seul revenu que j'ai en ce moment. Fait que si vous voulez encourager le podcast, c'est pas grand-chose. C'est 2-3 piastres par mois. Hein, vous pouvez devenir membre au Patreon. Au patreon.com/whatsappodcast. Les liens sont dans la description. Puis c'est ça, c'est pas cher pour moi, ça fait toute la différence. Aussi, il y a plein de forfaits, là, tu sais, ça vous permet de voir tous les podcasts, entre autres, que j'enregistre d'avance au lieu d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Puis aussi, j'aimerais remercier mon team shout-out. Le team shout-out, faut que ça, c'est tous ceux qui font partie du team shout-out, du forfait team shout-out dans le Patreon. Fait qu'on commence par Marc Pocket. Jasmin Dallaire, Simon Robert, Michel McKinnon, JF Marangère, Francis Bourgon, Laure Paradis, Joannie Gagnon, on a Phil Montreuil, Mathieu Lemieux, Matt de Patrol, Laurent Morissette, Yannick Bourque, Simon Bergeron, Faf. Puis, on termine aussi avec le team WhatsApp. Un gros merci à Maxime Jasmin. Fait que ça, c'est le team WhatsApp et le team shout-out de cette semaine. Fait que gros merci à vous autres. Gros merci à tous ceux qui sont membres Patreon. C'est super apprécié. Si vous avez pas d'argent, je comprends que c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Je vous incite tout le monde à aller partager le podcast. Parlez-en. Mettez un petit pouce en haut sur le podcast, mettez abonnez-vous au channel YouTube, moi ça va m'aider dans mes statistiques, ou sinon abonnez-vous au compte Instagram, puis au compte YouTube, au compte Facebook Jerry Alain, ou sinon encore une fois à comatv.tv sur Instagram, Facebook, moi ça va marcher, ça va donner... C'est comme la petite paye de mes invités. Si vous abonnez à leur affaire, on va faire « Chris, ça marche le podcast? » Il va y retourner. Bref, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon podcast. Merci tout le monde puis passez une belle semaine. Au revoir. On va parler de l'invité d'hier. Il y a quelque chose là, gars. Le gars, Chris. Fait que... Il est badass en tabarnak, ce gars-là. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content et honoré de recevoir Michel Courtemanche. Salut, mon gars, ça va bien? Ça va super bien. Ouais?
Ouais. Bon, ça va super bien. C'est parfait. Je m'occupe, je travaille, je pars des projets. Je ressens beaucoup la pandémie comme tout le monde, là, mais, ouais. Mais je pense que le truc, c'est vraiment s'occuper le cerveau. Sinon, tu pètes aux frettes. Ouais. Quand j'ai 5 minutes que je fais rien à mon appartement, là, je suis en... Non, le computer, là, j'écris n'importe quoi. Là, il m'a écrit sur la psychose. C'est un peu ce que c'est vrai. Ben c'est ça, on a un ami en commun où est-ce que tu vas partir un projet avec, c'est Sylvain Desjardins. Ah, c'est pas un ami. Non? Oui, avec Sylvain Desjardins. En fait, c'est que j'ai parti comme à TV il y a une couple de mois, puis Sylvain s'est greffé sur le projet. Okay. Je pense que, honnêtement, dans la vie, si tu veux te partir un projet puis que t'as aucun talent au niveau... de tout ce qui est réseaux sociaux, organisations, subventions, tout ça, ça te prend un Sylvain. Ah ouais? Ça te prend un Sylvain okay. Desjardins, là, t'sais. Okay. Alors, c'est un fit parfait. Lui, il est comme... Il s'occupe du contenant de la compagnie, moi, je m'occupe du contenu. Ouais. De, comme à TV. Ah, alors, en ce moment, bon je suis en train là. De pondre un paquet de séries. Mm-hmm. Je suis en écriture, là. J'ai profité de ce mois-là qu'on a, là, de 4 semaines, de 28 jours, là. Ouais. Pour juste faire de l'écriture. Mm-hmm. Puis comme ça, attirer les comédiens, les humoristes qui veulent faire de la série. Et okay. Ouais. Ah, c'est nice. Puis ça va être quoi, du sketch? Ben en fait, c'est que comme à TV, l'idée vient en fait pas mal de la pandémie, en fait. Parce que quand je me suis ramassé en pandémie comme tout le monde, j'ai fait « qu'est-ce que moi faire? » Mais « qu'est-ce que moi faire? » Puis là, je voyais qu'autour de moi... Les gens, mes confrères de travail, tout ça, ils faisaient des petites vidéos, mettaient ça sur Facebook, puis c'était pour garder un peu le moral du peuple, là, ouais. Ou même se garder son moral à ouais, soi. Ouais, c'est là. Ça, de se laisser aller le brain. Sauf aussi. Que ce que je trouvais dommage, c'est qu'ils mettaient ça gratuitement sur Facebook, puis ils pouvaient pas le monétiser. Mm-hmm. Alors, je trouvais que c'était de la viande achetée rapidement, de bonne qualité. Là, ouais, c'est ça. Alors, puis l'idée de Comme à TV, ça vient d'il y a une vingtaine d'années quand j'avais ma boîte de production, puis je voulais faire un canal Internet, sauf que ça coûtait trop cher à l'époque, là, avec les bandes passantes, tout ça, puis même les caméras pour filmer, puis bon, là, ça coûtait une fortune. Fait que j'ai mis ça à glace. Puis quand il y a eu la pandémie, j'ai fait « Ah! » Je pense que ça serait le moment parfait pour contacter tous mes chums dans l'humour, puis leur dire, écoutez, là, moi, je voulais une plateforme sur Internet. Si ça vous tente, vous faites du produit web, on le met sur la plateforme, puis on le monétise. Puis on va développer un marché comme ça, tu sais. Et la réponse a été archi positive. That's it. Sauf que bon, ça prend du temps aussi, faire du contenu, tu sais, ça se fait pas de même. Alors, bon, le temps va faire qu'on va avoir plusieurs séries sur la plateforme, parce que la plateforme, on va avoir de la série web, de la mini-série, du petit, moyen et long métrage, il va y avoir des podcasts, il va y avoir des vlogs, des blogs, des vlogs, des vlogs, des là, mais n'importe quel lettre devant log, là, finalement. Et il va y avoir aussi des shows live, des shows en différé, tout ça. Alors c'est ça que je trouve intéressant. On essaye de développer un nouveau mode de production au Québec. Parce que là, à date, le mode de production, mettons, pour la télé, c'est compliqué, la télé. Mm-hmm. C'est vraiment compliqué. Ouais. Puis je trouve que c'est sans cœur un peu pour les créateurs puis tout ça. Parce que dans le fond, les créateurs créent de bonnes idées, les présentent et sont refusés parce que les gens ont l'impression que ça ne vendra pas de savon. Ouais, et ben là, c'est l'idée ça. Tombe à l'eau. Puis elle va plus nulle part. Ça, c'est triste un peu. Comme moi, j'avais souvent pensé, genre, je ne catchais pas pourquoi, comme Illico ou tu sais quoi l'autre affaire de Radio-Canada, là, monsieur? Tout.tv. Ouais, Tout.tv. Ils achètent pas genre des shows comme, tu sais, des shows d'humoristes de la relève, tu sais, comme Netflix fait. Ils achètent comme plein de stand-up, puis ils mettent là-dessus, puis... C'est une question de volume, puis aussi qu'est-ce que l'antenne veut faire, tu sais. Leur seul but, ça sera toujours de vendre du savon. Ouais. Tu sais, il faut qu'eux autres, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils...
il faut qu'ils mettent sur pied des émissions qui vont plaire à leur public, ouais, et qui sont sûrs, même si c'est impossible d'être sûr, ils prient en fait pour que ça fasse des bonnes cotes d'écoute, ouais, pour vendre des espaces de pub sur la télé, ouais, à des prix exorbitants, puis comme ça faire de l'argent. Là, c'est comme ouais, ça que ça fonctionne, la mais télé. Mais tu sais, moi j'ai filmé mon show que j'ai fait au Club Soda. Oui. La captation, c'est un de mes chums qui me l'a fait, qui m'a okay, chargé 2500. Okay. C'est quand même très bonne qualité, peut-être pas du 4K, là, mais pourquoi c'est quand même... tu le mets pas sur Comment TV? Ben, c'est ça que moi, je suis beau. Ben voilà, faire, nous autres, c'est ça qu'on fait, nous autres. Moi, les gens qui ont fait de la web-série, mais qui est allé nulle part, finalement, nous, on peut le récupérer sur Comment TV. Ouais. Parce qu'il va y avoir une partie gratuité, là, que les gens... des projets qui ont déjà été vus, mais qui veulent revoir, bon, on les met sur un espace gratuité, puis ce qui est tourné d'une façon originale pour Comment TV est dans la section payante monétisable, en location, pas en vente. Okay. Parce qu'en location, au moins, on protège plus les gens qui ont créé les projets. Ouais, les droits d'auteur. Parce que si tu le vends, ça veut dire qu'ils peuvent le downloader puis le donner à quelqu'un d'autre puis Ouais, c'est ça. Fait que là, on est en location pour le moment, mais éventuellement, quand il va y avoir beaucoup de matériel sur Comment TV, là, on pourra faire des forfaits okay, puis payer par mois puis ça, tu penses que ça va être... quand que ça va être prêt? Là, on visait décembre, mais là, avec le mois qu'on a eu, ben tout a été retardé. Ouais. Fait que là, je suis en train de compresser les journées de tournage, mais bon, tu sais, c'est pas évident, là. Ouais. Alors, en plus, t'es invité à des podcasts, puis... Comment tu dis? En plus, c'était dérange dans tes projets. Site. Attends, man. Alors, d'après moi, décembre, ou en tout cas, au pire, je dis au pire, parce que nous autres, on veut vraiment au mois de décembre, ouais, au pire, en janvier, mais après ça, on continue de tourner. On continue de faire du produit pour la plateforme. Ouais. Donc, on veut avoir un kit de départ, si tu veux, là, pour avoir une vue d'ensemble de ce que c'est comme à TV puis les possibilités qu'il y a à faire avec ça. Puis après ça, on continue de tourner à l'année. On n'a pas de saison de dire, bon, ben on va mettre ça en ligne automne 2022, ouais, ou printemps 2024. Parce que c'est ça, la télé. Hein, c'est une saison puis une année. Puis ils te répondent toujours par ça. Là, c'est à l'année. C'est quand on veut. Et c'est là... pour le temps que vous souhaitez que ça soit sur la plateforme. Fait que vous allez toujours avoir des versements par mois de gens qui louent votre série. Ah, ben c'est cool. Good job. Ouais. C'est très, très cool. C'est très, très, très... Puis c'est un 70-30. Ouais. C'est-à-dire que si, mettons, on loue quelque chose, je dis une pièce, parce que c'est plus facile, là. Mais si on loue quelque chose d'une pièce, il y a 70% qui va à l'artiste, puis 30% qui va à la plateforme pour le fonctionnement. C'est ça. Alors voilà. C'est un bon mode d'affaires. Ça apprend aussi aux artistes qui partent les projets, qu'on appelle des Webbers. Ouais. Le Webber, c'est lui qui part tout le truc. Il y a un contrat signé avec tous les gens, les artistes et les artisans qui vont être sur sa série web. Mm-hmm. Ils sont payés en pourcentage au rendement de la location de leurs produits. Donc, les gens ne sont pas payés tout de suite, ils sont payés après la location. Ouais. OK. Ah, mais c'est. Ben, je trouve que c'est un modèle qui ressemble beaucoup plus à de la production que ce qu'on fait en télé. Parce que moi, quand j'étais producteur en télé à l'époque, je me suis rendu compte que j'étais pas producteur. Je suis producteur délégué. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je mets pas une scène, là. Non. Oui, pour ouvrir le bureau, acheter des chaises, du papier puis imprimante, mais je mets pas 6 millions sur une série, là. Ouais, c'est ça. T'sais, tu prends la licence de la télé, tu prends la balance au gouvernement. Fait que là, tu ramasses tes sous, tu fais, mettons, ça coûte, je sais pas, moi, 5 millions. Là, sur le 5 millions, t'as ta part producteur. Oups. T'es payé, c'est réglé. Là, tu fais ta production, mais dans le fond, tu fais la série pour un diffuseur et ton gouvernement. T'sais, toi, tu mets pas de l'argent. Ouais. Tu es vraiment juste délégué. Puis ce qui est quand même assez capoté, c'est que c'est les producteurs qui ont tous les droits sur tout. Fait que, attends, t'sais, t'as eu de l'argent de, mettons, TVA, puis là, t'as de l'argent du gouvernement qui te donne. Puis là, eux autres, ils ont plus de droits, ils ont plus rien. C'est toi qui as tous les droits, mais t'as pas mis une scène.
c'est vraiment étrange. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment étrange comme mode de, ouais. mode de production. Là. C'est, pas... fait que c'est pour ça que, comme à TV, j'ai vraiment l'impression... Parce qu'en général, les gens, moi, ce qui m'attriste, c'est que les gens croient plus à la télé qu'en eux-mêmes. Ouais. Ça, je trouve ça dommage. Dans le sens que dans la le télé sens va que les amener. Ils se disent, moi, je vais écrire pour la télé parce que c'est là qu'il faut aller. Ouais. Mais croire en eux-mêmes, c'est-à-dire écrire, mm-hmm. produire, faire eux-mêmes, ouais. mettre ça sur une plateforme, puis que ça soit monétisable, ouais. je veux pas dire qu'ils y croient pas, mais ça n'a jamais été une option pour ouais. eux autres. Fait que là, comme on offre l'option, là, ça, ouais. ça les réveille ouais. parce que ça... Ça fait deux choses. Ça accélère le processus, parce que moi, je l'ai vécu là, avec plein de séries qu'on présentait, puis que tu n'as jamais de réponse, puis patati patata. Moi, j'ai travaillé sur une série pendant 4 ans qui s'appelait Coupé. Mm-hmm. Et j'ai fait plein de producteurs. Ils l'avaient tout accepté, puis ils m'ont rejeté à la fin en disant que le diffuseur ne prendrait jamais ça parce que ça se passe sur un plateau de tournage, patata. Mais. Sont pas capables de voir que la série était basée sur l'amitié mm-hmm. et non pas sur un plateau de tournage. Ouais. Parce que sont bien frileux, les diffuseurs, par rapport à ça. Fait que j'en ai fait une version web où c'est deux comédiens qui se parlent à une table de catering puis ils parlent de leur journée. Ouais. Mais c'est deux amis. C'est juste qu'ils sont sur un plateau de tournage. Mais ce qui est important, c'est leur amitié puis ce qu'ils se disent, là, tu sais. Mm-hmm. Alors, je sais pas où je m'en vais, cette conversation-là. Mais, en fait, c'est que ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que ton coefficient d'or, c'est-à-dire que ton idée au début, qui est à 100%, elle sera pas transformée par un producteur, puis elle sera pas retransformée par ouais, un diffuseur. Ça, c'est la beauté du web. Et nettoyée par un avocat, tu sais. Ouais. Là, ce que t'as pensé comme série, puis comment tu veux la réaliser, puis comment tu veux que ça soit diffusé, ça t'appartient. Ouais. Tout t'appartient comme Weber. Fait que c'est ça la beauté du truc. Et ça peut se faire beaucoup plus rapidement que attendre 4 ans, puis ouais. se faire dire non. Puis un coup que tu te fais dire non, c'est fini, là. C'est ça. Où si tu veux aller après? C'est ça, à part le web. À part le dépanneur, ouais, puis aller gazer. Là. Ouais. Je veux dire, tu fais plus rien après avec ça. Fait que moi, j'encourage beaucoup les gens qui se sont pété le nez sur des portes de diffusion puis de producteurs, puis venez à Comme à TV, on va checker ça, puis mm-hmm. on va le faire. Tu sais. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est que les choses existent. Pas juste dans ta tête, il faut que ça existe à quelque part. Ouais. Il faut que tu prouves à toi-même et aux gens que ce que tu as comme idée, ben ça vaut la peine d'être vu, tu sais. Parce qu'il y a plein de monde qui me disent « Ah, j'avais écrit une série, c'était écœurant. » Ouais, mais ouais. Tant que tu l'as pas tourné, tu l'as pas fait, on le saura jamais, là. Ouais, puis celui qui prend des décisions aussi, tu sais, ils ont pas la vérité non plus, là. Tu sais, des fois, là, ils... Ben, c'est toujours juste, relié, c'est toujours relié au savon, tu sais. Le risque. Fait, non, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais il y en a peut-être, moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a peut-être qui prennent... Netflix, ils prennent des risques. Mm-hmm. Parce que c'est des producteurs. Ouais. C'est des vrais producteurs. Ils prennent l'argent des abonnés, puis ils font du produit. Mm-hmm. Netflix, c'est comme... Voici, mettons, du talent. Mm-hmm. Pas voici un que vous aimez bien, puis ouais. que, tu sais, t'es puis dit. Puis même dans les documentaires, c'est complètement pété, des affaires que t'aurais jamais pensé. Ouais. Fait que c'est. Y a rien de mainstream, y a rien de. Tu sais, tout est. Toi, éventuellement, si ça marche, t'aimerais-tu pouvoir faire ça, tu sais, comme financer des projets, puis. Ben, on veut en venir à ça. C'est ça. Oh, oui. Si ça fonctionne. Mais on veut recréer un nouveau mode ouais. de production, parce que le mode de production traditionnel. C'est souvent la même formule. On peut pas s'appliquer à ça parce que ça coûte trop cher vu que on n'a pas les moyens de nos idées au Québec. Ouais. On l'a pas. Tu sais, on fait de la série comme si on était 80 millions, tu sais. Mm-hmm. Ou 350 millions. On est juste 8 millions puis on n'est pas tous francophones là. Fait qu'on peut les idées qu'on a pour faire de la télé puis tout ça. C'est restreint. On est trop petit pour ça. Ouais. On n'a pas d'argent. Fait qu'on emprunte, puis on... Tu sais, c'est moi puis toi, dans le fond, avec nos impôts qui payent la télé. Là. Ouais. Le pire, c'est qu'on les paye pour se faire dire non. Je vais te donner 20$, dis-moi non. Parfait, bonne journée. Ouais.
Fait que tu sais, c'est d'une absurdité. Moi, l'année passée, j'ai donné 10 000 colis. 10 000 piastres pour me chier en face, tabarnak. Est-ce que tu vas avoir su la regarder? Tiens, colis. Tiens, mais aller au marché noir. C'était au bad, colis. Mais c'est ça. Puis même au niveau des syndicats, tout ça, c'est pas évident. C'est tu sais, l'Union des artistes, l'Actis, tout ça. C'est correct que ça existe, des syndicats, mais... Tu sais, dans un modèle d'affaires comme, mettons, comme à TV, on pourra pas là, faire des affaires avec, avec ces gens-là, parce que ça dépasse d'un notre mandat, ça dépasse aussi ce qu'on est capable de faire. Là, mm-hmm. Si l'union, tu sais, c'est correct que l'union existe, puis ça reflète en fait l'abus du passé, tu sais, que les producteurs abusaient beaucoup de ci puis de ça. S'ils sont là, c'est pour une raison. S'ils sont là, c'est pour une raison. Ouais. Mais il y a un moment donné où tu fais. Il y a comme plus de gros bon sens, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que je trouve que les syndicats, bon, qui, là, sont équivalents, si tu veux, aux producteurs. C'est correct, c'est un rapport de force. Mais écoute, si tu peux pas. Tu peux pas. Ces gens-là sont payés par rapport au montant d'un mode de production qui est subventionné. Tu sais, c'est pas, comme je te dis, c'est pas l'argent du producteur de ses poches, là. C'est le 5 millions que tu as eu de subvention, puis là, il faut que tu payes les syndicats avec ça, l'UDA, avec les tarifs UDA, puis tu as combien de lignes, puis tu as dit quoi, puis là, tu n'as pas parlé, mais il fait que tu parles, là, c'est un rôle muet, puis là, ça part, si, là. Tu sais, c'est correct, là, mais dans un mode de financement comme la télé traditionnelle, pas la production indépendante sur Internet. Là, ah, c'est ça, exact. Ça n'a rien à voir, là. Si on va ailleurs, parce que je voulais aussi te féliciter. Donc, ça fait 21 ans que tu es sub. Oui. Ouais. Ça a fait 21 ans le 23 août. That's it. Félicitations, mon gars. Merci. Ouais, t'avais fait, à tes 20 ans, t'avais fait une vidéo, justement, pour remercier. Là-dedans. Oui, le matin de mes 20 ans, j'ai comme réalisé que ça faisait 20 ans. Et ça m'a... J'ai comme eu un moment de silence dans ma tête. Ça a fait... Tu sais, t'as réussi. Puis en même temps, deux jours plus tard, je me suis dit... Mais t'as pas réussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu meurs. C'est ça. Parce que tu vas réussir ta sobriété quand tu vas mourir. Là, mm-hmm. Là quand tu vas être mort. Ouais. OK, j'ai... Parce que tu peux pas faire... Gagner ça, tu vas faire... Là, j'ai réussi. Puis là, c'est... Fou! Fou! Là! Fait que... Mais c'est ça, parce que j'avais passé en entrevue après à... À Sophie Durocher, puis elle me disait, ouais, t'as réussi, t'as. J'ai dit, non, j'ai fait une erreur dans mon vidéo, j'ai pas réussi, là. Mm-hmm. Dans le fond, t'as pas réussi tant que t'es pas mort, tu sais. Fait que, tu sais, tu peux pas réussir ta sobriété pendant 20 ans, puis après, tu te mets à boire. Mm-hmm. Je veux dire, la sobriété, c'est l'absence. Puis, tu sais, à un moment donné, t'en as plus besoin d'alcool, là, tu sais. Ouais. Il y avait un monde avant l'alcool, là, tu sais. L'alcool est arrivé en chemin. C'est pas. Mm-hmm. On n'a pas attendu 10 000 ans, tu sais. Mm-hmm. Ça va-tu arriver, l'invention de l'alcool, mm-hmm. là, tabarnak, tu sais, qu'on boive un peu? En même temps, t'as dit quoi que je trouvais inspirant? C'est, tu sais, chaque matin que tu combats ou tu résistes à ton envie de consommer, ben, t'es 10 fois plus fort que. Absolument. La première année, là, c'est ça que j'avais remarqué, c'est que à tous les soirs, mettons, là, que je faisais comme si, bon, OK, peut-être que là, tu sais, j'irais peut-être là, prendre un petit verre de champagne ou gnagnagna. Et puis, quand tu résistes à ça, puis que tu passes une bonne nuit de sommeil, le lendemain, t'as une force, là, je peux pas te dire d'où elle vient. Une fierté. C'est une force. Ouais. C'est juste, tu te sens plus fort puis plus habilité à affronter le prochain. Mm-hmm. Tu t'apprends à te connaître mieux aussi. Oui, tu t'apprends. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est que les spiritueux, mettons, l'alcool, tout ça, les drogues, tu sais, tout confondu, là. Mm-hmm. Médication illégale, whatever, là. Ça fait juste retarder ta spiritualité parce que dans le fond, tu sais, les gens qui sont sous pression beaucoup,
À un moment donné, jeudi, 5 à 7, là, il va-tu arriver? Là, puis là, ils se la pètent parce qu'à un moment donné, ils vont péter aux frettes. Là. Au lieu de réfléchir. Au lieu de réfléchir, régler le problème. Peut-être, fait que les gens ravalent beaucoup. De toute façon, l'alcoolisme ou l'addiction en général, c'est une maladie d'émotion. Mm-hmm. Il y a quelque chose en dedans de toi que tu n'arrives pas à dealer avec. Puis tu veux que ça s'en aille au plus vite. Puis l'alcool qui en prend le contrôle. Fait que tu buzzes. C'est pas le goût du vin ou de la bière, whatever. C'est le buzz que ça donne. L'effet de relâchement. L'effet de relâchement. Ouais. L'effet de, je le sens plus le stress, je sens plus l'angoisse, je sens plus la boule que j'ai là. Mais là, t'es rendu à 6 sa bière. Puis le problème, c'est que tout ce qui est alcool, drogue, tout ça, ça se dose pas. C'est que plus t'en prends, plus il va falloir t'en prendre. Et c'est comme ça que les gens finissent par absorber d'énormes quantités de drogue et d'alcool pour calmer le problème. Puis moi, en thérapie, quand je faisais des mini-partages avec des nouveaux qui arrivaient à la clinique de désintoxication, moi, ce que je leur disais, c'est que dans le fond, vous n'avez pas soif. Vous n'avez pas soif. C'est pas ça le problème. C'est que vous avez quelque chose en dedans de vous autres avec quoi vous n'arrivez pas à dealer. Qui vous rend malheureux. Puis je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir c'est quoi. Vous allez dire ça à un professionnel. Mais le plus gros problème que vous avez en dedans de vous, si vous réussissez à le sortir puis à vous en débarrasser, vous n'aurez plus jamais soif de votre vie. C'est quand on deal mal avec quelque chose que là, il faut que le coude lève. C'est tout. C'est très, très simple, dans le fond, la toxicomanie et tout ça. C'est très, très simple. C'était la pression. Mais tout le monde cherche le bonheur aussi, de toute façon. Puis les gens mélangent beaucoup bonheur et accumulation de satisfaction ou accumulation de plaisir. Mais c'est pas ça, le bonheur. Moi, ce que je leur dis, c'est que vous êtes tous heureux. Vous êtes juste pas au courant. Puis vous cherchez pas à bonne place. Puis en plus, vous n'avez même pas besoin de chercher. Il est à l'intérieur de vous, ce bonheur-là. Il est juste enseveli en dessous d'un paquet de problèmes que vous n'avez jamais réglés. Un coup, vous réglez tout ça, là, il va naître. Il va être là, le bonheur. Toi, c'était quoi? C'était la pression que tu te mettais pour les shows? Y avait plusieurs trucs, mais entre autres, la bipolarité. C'est-à-dire que OK. Mettons, quelqu'un a des problèmes reliés à leur blonde, la famille, le boss. Ils ont tout un problème chaque, mettons. Fait que c'est des problèmes, entre guillemets, réels. C'est-à-dire que tu peux relier l'émotion à une autre personne. Dire, mon problème vient de cette personne-là. Faut que je règle mon problème. Tu comprends? Mais il y a une raison, il y a un lien. Quand tu es bipolaire, la bipolarité va créer des faux problèmes. Fait que t'as l'impression d'avoir des problèmes, mais tu peux pas les relier à personne. Donc, tu peux pas les régler. Ils s'accumulent. Et là, tu cherches, là, tu sais, c'est-tu ma blonde, c'est la famille, c'est le boss, c'est tout ça. Puis à un moment donné, t'es complètement confus, là, tu sais. Puis là, bang, tu tombes dans des haies, wow, tu te ramasses dans des dents. Fait que là, faut que tu prennes de la dog pour te remonter. T'es trop remonté, faut que tu boives, te mettre dedans, puis... En tout cas, c'est la marre des poignets, là, comme on dit. C'est quoi, c'est comme genre une crise d'anxiété, genre que ça. La bipolarité, c'est une maladie biochimique qui va décider d'elle-même comment tu te sens. OK. Fait que des fois, t'étais juste en tabarnak. Fait que t'es juste en tabarnak, tu sais pas pourquoi. Mais t'essayes de savoir pourquoi. Fait que quand tu sais pas que t'es bipolaire, puis tout ça t'arrive, t'en accumules des problèmes, tu sais. Mais quand on m'a appris que j'étais bipolaire, j'avais 35-36. J'ai fait « Bon, c'est ça mon problème? » Enfin, tabarnak! Parce qu'il y a bien du monde qui... Non, tu peux pas le régler, mais il y a bien du monde que ça les a mis en tabarnak d'apprendre qu'ils étaient bipolaires. Puis que là, ils se sentaient malades. Mais moi, ça a tellement été l'inverse. Ça a fait « Bon! » C'est pour ça que ça, pour ça que ça, pour ça que ça. C'est une réponse. Là, on fait quoi, là, tu sais? Fait que là, je suis allé en thérapie, puis mon thérapeute, Gilles Leblanc,
qui est vraiment extraordinaire. Là. C'est vraiment le meilleur psychologue que j'ai jamais eu de ma vie. Puis j'en ai eu des psychologues. Là. Et petit peu par petit peu, ben, plutôt que de prendre le chemin facile de moi et me sentir bien avec de l'alcool, ouais. J'ai pris la gageure inverse, c'est-à-dire je vais tout régler. Et là je vais tout régler. Et j'ai tout réglé. J'ai mm-hmm. tout réglé mes affaires, mais il y en a encore qui s'accumulent, là, sans que je m'en aperçoive des fois. Ouais. Fait que c'est une maladie un peu insidieuse. Là, mais il n'y a pas une médicamentation pour ça? Plusieurs médicaments. Ouais. Oui. Il y en a, moi, ça me faisait pas. Là. Le lithium, j'en prends encore, mais je peux même pas te dire si ça fait vraiment effet. Okay. Je prends des antipsychotiques ouais. pour m'éviter de partir. Des fois, quand tu pars dans des haies, tu peux entendre des voix, tu peux avoir des hallucinations. Oh shit, OK. Tu peux, ouais, là, c'est à cause du médicament ou parce que toi, non. t'es trop dans ton air? Non, c'est dans ta bipolarité. OK, ouais. Quand ça t'amène trop, quand ouais. ça part, là, c'est... C'est quoi, c'est quand tu penses trop à ma tante? Je te dirais que non, c'est que tu tombes en psychose. OK. Tu tombes dans un état qui n'est pas un état normal. OK. Je compare ça un peu à... C'est deux réalités. Mm-hmm. Tu sais, t'es dans ta réalité comme ça, puis à un moment donné, y a un train qui passe... T'embarques dans le train, puis là, t'es comme dans une coque qui est à part, puis par la fenêtre, tu vois la réalité, mais t'es dans une autre. Ouais. Fait que je pouvais regarder les gens à travers la fenêtre, puis les trouver très normales. Puis moi, dans mon univers, tout était bien normal, s'il y avait deux hippopotames jouer aux cartes, là. Ouais. Fait que c'est ça, une psychose. T'sais. Tu peux entendre des voix, tu peux voir, il y a des affaires qui bougent. Mm-hmm. C'est pas un état le fun pantoute, parce que la plupart du temps, il faut que tu ailles en clinique, puis là, ils t'injectent quelque chose pour dormir, puis ils te font dormir pendant des calmants, deux, trois jours, ouais, ouais. des calmants, là, t'sais, pour ouais. te faire décrocher de. Ouais. Donc, je prends des antipsychotiques à tous les matins. Je prends du Ritalin parce que je suis aussi TDAH et dyslexique. Donc, pour me concentrer, c'est toute une aventure. Je vais prendre aussi des médicaments pour dormir, pour arrêter de spinner avant de m'endormir. Et je vais prendre aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Les autres, c'est plus genre pour le cholestérol, puis... Les d'autres problèmes. D'autres problèmes physiques. Le fait que j'aime le beurre. Je suis comme gros parent dedans, tu sais. Fait que okay. C'est ça, c'est moi j'en c'est pour ça que j'ai pas d'enfant d'ailleurs. Mm-hmm. Moi j'ai pris la décision de pas mettre au monde un enfant qui serait bipolaire. Oh, parce que ouais. c'est écoute, moi mon grand-père c'est bipolaire, ça. mon père était bipolaire, puis moi. Ah ouais. Fait qu'il y a un gros pourcentage de chances que je mette au monde un bipolaire. Puis les gens avaient tendance à me dire, c'est parce que les gens ne savent pas c'est quoi, mais c'est pas grave. Je connais pas lui. Je me disais, mais justement, tu sais, si tu mets au monde un enfant bipolaire, tu vas pouvoir y apprendre à se guérir, puis mm-hmm. à prendre des médicaments. Je dis, voyons donc, tu peux pas contrôler un bipolaire. Mm-hmm. S'il réalise pas par lui-même là, qu'il fonctionne pas normalement, puis il faudrait qu'il prenne des médicaments, puis si moi je le conseille, je suis son père. Il m'écoutera pas, là. Ouais. Tu sais, j'aurais beau dire, gaffe, faut que tu prennes ça, puis faut que tu prennes ça, puis il faut que tu ailles voir le psy, puis il faut que. Voyons donc, tabarnak. Ça arrivera jamais, là, tu sais. Mm-hmm. Puis je peux pas. Je trouve que c'est une punition, carrément, de mettre un enfant au monde bipolaire. Ben, tu sais, moi. Ben, punition pour l'enfant, mais pour son entourage aussi, là. Mais, tu sais, moi, je peux pas me comparer avec qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, je suis très loin d'avoir vécu ça, là. Mm. Mais il y a de quoi que je m'entends dans qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, moi non plus, j'en veux pas d'enfant, puis parce que, moi, ma mère est décédée très jeune du cancer, tu sais. Okay. Puis elle, sa mère à elle est aussi décédée du cancer. Okay. Puis elle, tu sais, quand sa mère, elle, est morte, elle a fait, « Ah, oh, je vais faire tout en sorte
pour bien vivre ma vie, pour pas que je fasse subir à mes enfants qu'est-ce que moi j'ai subi avec ma mère, tu sais. Qu'elle a fait genre aucune drogue, aucun alcool, fumait pas, fin choué au bout. En tout cas, dans un show, je disais c'était un mix entre Yoda puis José Lavigueur. Fait que bref, puis elle est quand même décédée à 49 ans du cancer, tu sais. De quoi? Cancer du sein. OK. Fait que ouais, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai juste catché. Hey, peu importe qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, s'il y a de quoi qui est pour t'arriver, ça va t'arriver. Ça va arriver. Puis, moi, ma mère, man, tu sais, je veux pas downer le podcast, là, mais moi, ma mère, elle faisait super attention à elle. Tu sais, quand elle avait. Comment ça s'est fait? C'est qu'elle avait une petite bosse, fait qu'elle a pas pris de chance d'aller faire une mammographie. Puis tu sais comment ça fonctionne, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ouais. Mais elles, eux autres, ils ont perdu son dossier. Oh non! Fait que pendant genre un mois, deux mois de temps, elle a attendu. Puis là, la bosse, elle continue à grossir. Là, c'était rendu, elle avait des taches. Hey. Fait que là, elle fait, ben là, c'est pas normal. Elle t'a retourné voir, oh puis là, c'était un cancer du sein. C'était trop tard. Mais pas mal loin. Fait que, tu sais, elle a eu l'ablation. OK. Fait qu'elle a pu avoir un an de plus, mais quand même, décider de ça, ça s'est généralisé dans. Tabarnak. Puis là, il y en a bien qui me disaient, hey, tu peux amener l'hôpital en cours, puis tout ça. Je suis comme, ben, je viens de perdre ma mère, tabarnak. C'est ça. Parce que je vais aller en cours, est-ce que je veux passer mes derniers moments avec ma maman? Ben ouais, c'est ça. Calice. Ah, non. Fait que bref, en tout cas, moi, ça me choque, là, cette affaire-là, mais tu sais, l'hôpital à Gatineau, c'est une des pires hôpitaux. Elle fait partie des top 10 les pires hôpitaux au Québec. OK. Puis il n'y a rien qui a changé depuis, tu sais. Ah ouais. Fait que maintenant que j'ai une tribune, ben je le dis ouvertement. Comme l'hôpital de Joliette. Ouais. L'esti de marde. Liste de boîtes. À la place, m'a resté chez nous, m'a vivre dans le déni. Mais on va toujours chialer contre la santé au Québec. Tu sais. Mais je pense qu'on dans pas long, on pourra même plus se le payer. Ouais. Il va y avoir tellement de monde malade. Là. Ouais. Mais en tout cas, ben, je vais retourner à plus vers toi, par exemple. Mais la mort, c'est pas drôle. Ouais. Puis, des fois, j'ai le goût de me suicider. Puis... À matin, justement, j'avais le gars dans la bouche. Je me rasais à la face, je me disais, tabarnak, si le bic peut péter, est-ce que je poigne la lame et je me tranche une veine? C'est-tu là? Okay, c'est là! Je m'en gratté jusqu'à Jigu. Ouais. J'arrive, maman! Pas de suite, t'as pas de suite, pas si le stick sont bien fait dur, le rasoir, là. Un stylo, Mais, ouais, ça, toi, comment t'as commencé l'humour? Parce que j'ai un ami que son père, il a dit que tu commençais beaucoup à faire de grimaces puis des niaiseries avec un gars qui s'appelait André Drapeau au secondaire. André Drapeau, ouais. Non, pas au secondaire, André était plus vieux que moi. OK. Ouais, c'était nos voisins, là, Louis, André, Jean, puis Madame Drapeau, tout ça, Monsieur Drapeau. En fait, c'était plus quand on sortait d'un parc, puis tout ça, là. Ouais, tu faisais bien des niaiseries. Mais écoute, moi, je me rappelle pas en avoir fait. J'ai toujours été sur le gun, doigt sur le piton funny, toujours. Ouais. D'ailleurs, moi, quand... Mettons que je perds de vue quelqu'un, ça fait longtemps, là, puis qu'ils me revoient, puis qu'ils me disent « Te rappelles-tu de moi? » Je leur demande toujours de sourire. Mm-hmm. C'est comme ça que je reconnais les gens. Ah ouais? J'ai tellement vu des gens sourire autour de moi que, tu sais, c'est... Puis quand il y avait quelqu'un qui avait l'air bête, je mettais bien plus d'emphase sur lui, pour le faire craquer, puis le faire rire. Tu le gonnais, là. Ouais, je le gonnais solide, patard. Puis j'ai commencé à faire des spectacles. C'était vraiment tout con. Là. C'est que j'étais quelqu'un qui était très dissipé, là, TDAH. Mm-hmm. Très, très, très dissipé. J'écoutais pas. C'était n'importe quoi. J'étais toujours en train de déconner. Puis en sixième année, je vais toujours m'en rappeler, M. Rabhi, Dominique Rabhi, lui, il avait pris comme solution que le vendredi, vers 3 heures, c'était le spectacle à Michel. Fait que là, j'allais en avant, puis lui, il s'installait dans le bureau en arrière, puis go, vas-y.
Puis là, je faisais n'importe quoi. Devant juste lui ou avec les élèves? Toute la classe. Ouais, c'est ça. Fait que là, je faisais n'importe quoi. Je faisais des parodies de pub télé. Je faisais n'importe quoi, là. Ça pognait, le monde riait. Ben, il riait. Des fois, je riais pas. Mais tu sais, au moins, si je faisais de quoi. Et c'est je peux pas dire que c'est ça qui m'a donné le goût à faire de la scène, mais ce qui m'a beaucoup donné le goût à faire de la scène, c'est à la polyvalente. Il y avait un de mes chums qui est décédé aujourd'hui, Christian Langevin, qui lui était dans une pièce de théâtre, une comédie musicale. Et j'avais vu la comédie musicale, puis j'avais adoré ça. Je l'avais rencontré dans les cadres. Je disais, hey, Chris, mm-hmm. t'es vraiment drôle, puis tatata. Ben, si ça te tente l'an prochain, on la refait. Fait que je vais pouvoir te remettre. Peut-être que tu pourrais la faire avec nous autres. Ouais. J'ai dit, OK, parfait. Et on a fait la pièce de théâtre. Comédie musicale. Fallait que je chante. Mais je chantais toujours un back vocal. Et. Tu faisais la danse, puis tout ça, puis t'étais... Ben, la danse, tu sais, chorégraphique, un ballet, je faisais un concierge, là, c'était n'importe quoi. Je me rappelle de Bab-Bab-Ballet, hey! Bab-Bab-Ballet. OK, prochain. C'était stressant. Le public est dur, son à soir. Et on est allé jouer à un moment donné au Cégep Montmorency. J'avais même pas 17 ans. On est allé jouer au Cégep. Et puis, on fait la pièce de théâtre. Puis là, je faisais un gars, un chromé, là, avec les pantalons argent, la chemise blanche, puis les peignés sur le côté. Gna, gna, gna. Et j'avais un dialogue avec un autre comédien. Mm-hmm. Puis comme je suis venu pour parler, gros blanc de mémoire. Mais gros, là. Que je me rappelle de rien. Et là, je... Ouais! Et là, je commence à improviser, tu sais, avec le public. Puis ouais. Je commence à dire, j'ai pas de mémoire, puis c'est ça, là, j'ai oublié, puis là... là, là. Okay, c'est comme pendant que les gens riaient, je demandais mes répliques à mon... Au partner. Au partner. Ouais. Puis il était... Je me rappelle pas. J'étais là, tabarnak, je suis dans la merde. Puis à un moment donné, j'ai fait... Ah! Et là, toute la salle est partie à rire. En voulant dire, là, je viens de m'en rappeler. Puis là, on a refait la scène. C'est là que j'ai eu un engouement pour la scène. Pour la scène, okay. Le contact direct avec le public. Ouais. Mais t'as fait comme bien beaucoup de l'improvisation, tu sais, au cégep. Oui, j'en ai fait pendant peut-être 5-6 ans. J'en ai fait 3 ans au cégep. Mm-hmm. Puis... T'as participé à un cégep en spectacle. Oui. Puis ça, c'était quoi? C'était-tu... C'était un flop ou... Ah, ça fait mal. Ah ouais? C'est comme si j'accouchais d'un cactus. ben, en fait, c'est juste que, justement, on avait fait les demi-finales, moi et Christian Langevin, où on faisait une performance improvisée. Puis en duo? N'importe quoi, en duo. OK. On faisait de la percussion sur une planche à repasser, avec le fer à repasser, puis on envoyait du spray net sur le fer à repasser pour faire comme un hi-hat, puis on frappait ça. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Puis là, ils nous prennent pour faire la finale. Ben là, franchement, c'est n'importe quoi. Puis là, faut que tu trouves un autre numéro. Là, faut que tu trouves autre chose. Fait que là, là, je dis à Christian, je dis, c'est ce qu'on fait, tu sais. Ben, je dis, moi, j'ai peut-être une idée, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait, tu sais. Puis, il faudrait choisir tout seul. Fait qu'il dit, ben, il fallait tout seul, Gaulius. C'est encore il n'y a pas comme 10 000 piastres à gagner, là. Ben, ouais. Fait que, j'étais un gros fan de Dépêche Mode à l'époque. C'était quoi dont la toune fait? Grabbing Hands? Non. Je me rappelle pas. Ouais. Je me rappelle pas. Mais j'avais fait toute une chorégraphie sur cette chanson-là que je connais pas. Et une chorégraphie d'un genre de travail à la chaîne. Puis je faisais tous les travailleurs de la chaîne, okay. Un à côté de l'autre. Les ouvriers. Les ouvriers. Ouais. Comme quoi, comme s'ils fabriquaient du métal. Et nous, c'était niaiseux. L'affaire, c'est que j'avais pas de costume. Fait que j'avais. Et je l'ai vu après. C'est que. Je me mets mes bobettes, puis je mets
des leggings de ski alpin, trop tête pour moi, okay. Avec pas de bas, rien, avec un chandail que j'ai coupé les manches, puis que j'ai peinturé avec une canisse, puis je me mets de la peinture dans les cheveux, puis... Mais là, l'affaire, c'est qu'avec les spots et les caméras qu'il y avait sur place, tout ce qu'on voyait, c'était mes bobettes blanches. Ah! Ça, c'est l'affaire qu'on voyait! Ah! Ben, c'était trop étiré. Ben, fait... le spot puis la caméra, ouais. ça voit pas comme un œil, là, tu sais. Ben, j'avais l'air d'un asti de taouin. Ma maman était dans la salle, puis elle pleurait. Elle avait tellement trouvé ça beau. Puis elle voulait que je mette ça dans mes nouveaux spectacles. OK, puis... elle pleurait pas de rire. Elle pleurait Non, elle pleurait pas de honte non plus. Là. Elle avait trouvé ça beau, là. Ouais, pas... ouais. Ça, tabarnan. Je me verrais pas faire 1h30 de... de tuto en bobette. En bobette, asti. Fait que oui, j'ai fait cégep en spectacle, puis bon, ben, j'ai pas été pris à finale. Là, c'était, mais c'était-tu ta première performance de scène, genre? Comme c'était, solo? Non, parce que j'ai fait beaucoup d'impro tout seul, aussi des fois en comparé, là, tu sais. Ouais. Fait ben non, mais je parle, mettons, que tu te produisais, genre, sur une. Ben, c'était. Scène. Non. Humour. Ben, c'était pas humour, cette affaire-là. Okay. C'était vraiment dramatique, là. Une critique sociale. Du travail à la chambre. Ah ouais? C'est ça, j'avais 18 ans. OK. Mais c'est-tu moi? Ouais! Moi, dénoncé! À qui la rue? Moi, dénoncé! Qu'est-ce que vous voulez dans votre hamburger, monsieur? OK. Calvaire. OK. Puis fait que c'est ça, tu faisais bien de l'impro, t'en as fait aussi avec Claude Legault. En fait, c'est Claude qui a parti la ligue d'impro au cégep, qui s'appelle le MIM. OK. Puis il m'a recruté la première année. Mm-hmm. Fait que c'est ça, j'ai fait la première année. Deuxième année, je jouais quand même, mais j'étais plus au cégep. Okay. Mais j'allais faire des matchs d'impro aussi. Ouais. Troisième année, je suis revenu au cégep. Ouais. J'ai continué. Après ça... T'en as fait jusqu'à l'université? Ouais, mais j'ai pas fait l'université. Ah, OK. C'était la LUI. Puis j'étais pas étudiant à l'université à ce moment-là. Ouais. Mais on faisait la LMI aussi, moi puis Claude. Ouais. Mais on n'était pas dans le même équipe. Celle au Café Campus? Pardon? Celle au Café Campus? Café Campus, c'était la Ligue universitaire. Okay. Puis la LMI, bon, on jouait dans plusieurs bars en région. Tu te promenais. C'est ça, c'était comme la ligue majeure d'improvisation. C'est-tu là que t'as appris comme à découvrir, genre... de quoi tu étais capable de faire avec tout ton corps puis tes faces puis de le mettre en valeur? Non, ça, je l'ai su assez tôt. J'avais peut-être, 10-11 ans. Je suis allé voir un spectacle d'humour. C'était Claude Saint-Denis, fameux mime québécois, okay. qui était très, très, très connu à l'époque. Il faisait un spectacle de mime et j'avais été assez impressionné de voir comment il réussissait à nous faire croire qu'il y avait quelque chose dans les mains ou qu'il y avait quelque chose qui rentrait dans la face ou qu'il ouvrait une fenêtre, tirait une corde, tu sais, les classiques. Là. Ouais. Puis quand je suis revenu chez moi, j'ai comme tout refait le show complet. Devant le miroir, puis je regardais voir si je l'avais, tu sais, si j'étais... Puis c'est quelque chose que j'ai acquis... Rapidement. Ouais. Comme si c'était vraiment ma deuxième nature, là, ou ma première nature, c'est pas trop. Mm-hmm. Et puis, rendu à l'âge de 18 ans, je travaillais comme... au socioculturel, au Centre de la nature, pour mon frère Jean. Et j'avais écrit un spectacle d'à peu près une demi-heure. Visuel. Et puis, c'était une des premières fois que j'écrivais pour la scène pour faire un spectacle. Puis, après ça, avec Claude Legault, on avait créé le duo Tang. Mm-hmm. Juste prendre une pause là, pour dire duo Tang. Okay. Ça a bien rentré, les gens, à la maison? Duo Tang? Voici Tang et Tang! Ouais. On faisait souvent des... On avait des petits contrats pour aller faire de l'animation pour des événements. OK. Puis à un moment donné, il fallait qu'on fasse un show pour aller... On allait à Val-d'Or. Ah non, c'était pour l'auberge de mon frère Jean.
Puis Claude est tombé malade. Mais il est tombé malade longtemps. Moi, même aujourd'hui, je pense que c'était une dépression que je faisais. OK. Le cégep, puis la fatigue. Puis, OK. Il filait vraiment pas. Ou peut-être qu'il voulait juste plus faire. Ouais, il voulait plus être avec moi. Je suis malade, je suis pogné avec un mime. Et, ouais, je vais lui demander. C'est-tu là que JC est arrivé? L'ozon? Ouais. Ah oh non, c'est bien après. OK. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, on avait un contrat à faire pour l'auberge de mon frère, mais là, Claude pouvait plus, fait que j'ai tout mis des textes au jeu. Ah, oh, OK. Et puis, je l'ai fait tout seul. Mm-hmm. Mais là, j'avais pas assez de matériel, fait que c'est là que qui est venu au monde. Mais c'est un numéro que je faisais depuis que j'avais, je sais pas, moi, c'était 9, 10, 11, 12 ans, l'haltérophile. OK. Je faisais l'haltérophile et le claustrophobe. Ouais. Ah ouais. Je faisais ces deux numéros-là quand j'avais 19-20 ans. Là. Puis au début, c'était écrit pour faire à deux ou tu l'avais comme un peu improvisé? Non, je l'ai mis dans le show-là parce que Claude n'était pas là. C'est parce ça. Que moi, je faisais des shows, des sketchs en duo avec Claude. Okay. Un qui s'appelait La Chaise, puis l'autre qui s'appelait... Il y avait une chaise puis un plateau... Plateau de pour des cabarets, là. Mm-hmm. Et... non, c'est ça. Fait que là, tu l'as fait pour compenser le fait que Claude n'était pas là. Ben, que Claude n'était pas là. Il fallait que je mette plus de temps, puis il fallait que je place plus d'affaires. Ouais. Puis comment ça avait pogné, la réaction? Ça avait super bien été. Ouais. J'ai rencontré ce soir même-là une fille qui travaillait à TVA. Ouais. Puis elle m'a plugué à TV mois plus tard. C'est le même que t'as fait le saut à la télé. J'ai fait le saut à la télé avec avec mon numéro du claustrophobe à l'émission de Daniel Lemire, Casse-tête. OK. Hey, j'étais tout impressionné. Ben ouais. D'aller à l'UDA chercher mon permis de travail, arriver à TVA, Daniel Lemay était là, yes, Michel sir. Barrette, Pierre Verville, tabarnak, je suis à la Mecque de l'humour. C'est là, ça, t'es avec c'était les ça, grands. Là. Oh, ouais. J'étais avec pas les grands, les plus grands. Ouais. T'as quel âge, 19 ans, 20 ans? À ce moment-là, je dois avoir 20... Ouais. 21, 22. Après ça, ça a été assez rapide. C'est ça, parce que t'as fait ton show du batteur à... Juste pour rire. Rire. Mais avant ça, j'ai fait les auditions Juste pour rire, que j'ai pas gagné. Ouais. Mais qui m'ont permis de faire une tournée de 3 ans avec les Monstres de l'humour, JC Lauzon. OK, c'est là que JC... Okay. C'est ça. Et puis, un coup que ça s'est terminé, les Monstres de l'humour, ben moi, je me retrouvais le cul sans paille. Fait que mon gérant, à l'époque, m'a proposé que j'écrive. Il dit, si t'écris un show complet, nous autres, on va le produire. J'ai dit, OK, mais tu sais, je savais pas pantoute comment faire ça. Fait, c'était vraiment tout croche. J'ai commencé ça en 89. Ouais. Ça s'appelait Un nouveau comique aîné. Commencé ça au Club Soda. Mm-hmm. Puis j'ai fait 2 semaines au Club Soda. Puis tout de suite après, les critiques avaient été vraiment dithyrambiques. Ouais. Et mais puis... ça, c'était après ton numéro du batteur, là. Non. T'es sûr? Parce que, dans tout cas, ceux qui disent. Les tabarnak. En fait, je pense que tu as raison parce que j'ai fait le numéro du batteur. Non, j'ai fait le numéro du batteur à Magog, puis ça avait pas marché. OK. Puis je comprenais pas pourquoi. Le lendemain, c'était complètement l'inverse. Le monde était debout après le numéro. Mm-hmm. Fait que là, je suis rentré à Montréal, mais on a fait le Juste pour rire après. Ouais. Là, j'ai fait Juste pour rire, juste mon numéro du batteur. Ouais. Puis après ce numéro-là, là, tout a explosé. C'est ça. Mais ça l'a explosé d'une façon exponentielle parce que en 89, je pense en avril, j'avais lancé un nouveau comic aîné. Ouais. Puis dans la même année, si je me rappelle bien, j'étais à l'Olympia de Paris. À Paris, ouais. Ouais. Puis tu l'as rempli, genre, pendant 2 semaines de temps. Là. Je l'ai rempli 2 semaines. Et puis, ouais, c'était pendant la guerre du Koweït en 90. Donc, un an après, en 89, 90, je faisais l'Olympia. Mm-hmm.
Fait que c'était... parce qu'après l'Olympia, regarde, là, je faisais 4 mois dans un théâtre, je faisais de la tournée, je faisais... Ouais, t'étais tout partout, là. J'étais partout. J'avais 250 ouais. shows par année, là. Ouais. Fait que ça a été explosif, mais ça a été le début aussi de trop en faire. Ouais, c'est ça, de l'épuisement ouais. professionnel. L'épuisement, puis la bipolarité que je savais pas. Pas encore, ouais. Fait que ça a très, très bien été au niveau professionnel. Ouais. Mais ça allait professionnel de même, puis personnel de même. Ouais. Tu sais, il y avait pas de juste milieu. Là. Quand tu vois, mettons, t'as un jeune aujourd'hui qui monte rapidement, qui a un beau succès, tu sais, des fois, tu le regardes avec un œil de recul, qui est comme... qui veut, genre, dire... Hey, fait... Attention. Ben là, aujourd'hui, c'est dur à suivre, tu sais, ouais. parce que t'en regardes un, tu regardes l'autre, là, ils se ressemblent pas mal tous. Tout le monde fait du stand-up, à vous de remarquer. Mm-hmm. Êtes-vous en forme, plus fort que ça, êtes-vous en forme. Tu sais, à un moment donné, il y a des affaires, t'es plus capable d'entendre, là. Fait que, tu sais, j'en ai vu que Christy, la tête, elle enflait assez vite. Ouais. Ça, j'en ai vu. Qui se pète la gueule d'épuisement, j'en ai pas vu beaucoup. Je trouve que même il y en a qui se plaignaient, qui faisaient comme 8 shows par mois, tu sais. Ouais. C'est tabarnak, 8 shows par mois. Quand t'en feras 8 par semaine, hein, tu te plaindras. Mais à 2 par semaine, calice, là. Va te calmer, là. Hein? Toi, prends-toi une petite jeune. Tabarnak. Ils n'ont même pas 30 ans, tu sais. Ils sont en tabarnak parce qu'ils font pas 250 000 par année. Si, ouais. Fait que, mais devenir humoriste aujourd'hui, ça, c'est pas évident, là. Ouais, c'est vrai, c'est de moins en moins évident. Mm-hmm. Je veux dire que c'est plus évident, c'est de moins en moins. Tout le monde aime l'humour, tout le monde. Mais là, c'est rendu que l'humour exploite l'humour. C'est ça que je trouve intéressant. C'est comme un serpent qui se mange par la queue, tu sais. Okay. On dirait que c'est le début de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que... là, c'est l'humour qui... Tu sais, avant, c'était comme la télévision. Ça servait de l'humour, juste pour rire, comédia, tout ça. La télévision, on va mettre un sitcom avec des humoristes. On va mettre une série avec des humoristes. On va mettre des shows... Puis là, là, plein de produits... Avec humoriste, puis là, il y a des humoristes partout. Là. Ouais. Mais tu sais, ça venait d'une tierce personne. Mais maintenant, c'est vraiment les jeunes, les humoristes, qui s'exploitent entre eux dans des podcasts, dans des. C'est pas une critique, là. Ouais. C'est juste une observation. Dans plein de shows, t'as un humoriste qui va animer, il va faire des soirées, il va faire inviter ses amis. C'est plus un producteur indépendant, là. C'est vraiment un humoriste, là. Ouais. Fait que on dirait que là on assiste là à l'humour qui s'exploite puis c'est comme si mais c'est pas positif ça. C'est juste une observation. Ah oh, OK. Ouais, c'est okay. pas c'est pas ouais. je suis pas en train de dire J'ai dit tantôt c'est le début de la fin. Ouais, là, ça puis mais ça ressemble à ça. Mais ça ressemble à ça parce que la prochaine étape c'est quoi, tu sais? Ben moi ma tante comme ton exemple de partir ton Coma TV, là, t'sais, moi je trouve ça bon parce que t'sais, ça coupe justement des intermédiaires pour rien. Puis toi, t'en es un humoriste, fait que tu sais d'où tu viens, tu sais quel gamic tu veux pas faire parce que tu t'es allé te faire. Ouais. Fait que t'sais, moi je trouve ça positif. Moi, c'est oui, même, absolument. Je oui, le vois, oui. Ben, c'est comme ça que je le vois aussi. Puis je veux dire, c'est pas un reproche. Je veux dire, les humoristes se connaissent entre eux autres. Ouais. Fait que tu fais ce que tu connais. Puis des crosseurs, s'il va tout le temps en avoir, peu importe. Des crosseurs, peu importe le domaine. Toujours, je sais pas comment ce qu'ils s'y prennent aujourd'hui, là, mais ils sont vraiment bons. Tu t'en aperçois toujours. Ouais. Quand tu sors du projet, tu fais « Asti, je me suis fait avoir. » Je me suis fait fourrer, ta barbe. Il y a même pas mis de loup, besti. Puis moi, je suis pas fort à la revanche. Je suis pas fort à me revancher. Non, moi non plus. Je pense. Moi, je fais juste taire. Mais je suis pas capable. Je crois trop à le karma. Là, okay. Puis, ça va te revenir d'en face éventuellement. Ouais. Là. Moi, je me venge pas, mais je taille. Moi, genre, je t'aiderai jamais. Il y a un prof de géographie qui m'avait dit à un moment donné... Je pardonne, mais j'oublie pas. Ouais. Puis à un moment donné, c'était style-là, là où je reverrais sa rue, je crisserais mon poing dans la face.
check bien, si. Le cours de géographie, je suis au collège, tout ça, nanana. Fait que là, je suis pas trop. Il me tombe dessus. Là, tu vas me faire une lettre, une feuille en trois copies, trois couleurs. Faut que tu écrives avec trois couleurs, mais que tu changes de couleur à chaque lettre. Ouais. Je fais ça, ça me prend quasiment trois jours. Fait que là, j'arrive au prof, j'y donne. Ouais. Il pogne, il me regarde. Puis il a crié son vidange. Ouais. J'y aurais tellement pété la gueule. Là. J'y aurais tellement pété la gueule. Là. En morceaux, tabarnak. Juste avant, j'aurais pris un stylo feutre, j'aurais tout numéroté ses dents. Là. Ouais. Parce que quand il va les replacer, il va avoir besoin des chiffres. Là. Ou tu mets une différente couleur sur chaque dent. Hey, tabarnak. Avec les rouges. Une rouge, une bleue, une grise. Une rouge, une bleue, une grise. Ah, tabarnak. Il voulait te faire chier. Ah, il voulait juste me faire chier. Ouais. Il t'aimait pas, genre? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a pris. Mais avec sa petite face, quand il l'a déchiré, il m'a même pas regardé ce que j'avais fait, là. Mon esti de rat. Mais bref, ouais, ça fait que... Toi, ça avait bien pogné, puis tu te produisais tout partout dans plein de pays différents. Il y a eu quand même une bonne exagération par rapport à ça, parce que okay. Honnêtement, moi, j'ai fait le Québec, j'ai fait un petit bout de Canada, mais pas beaucoup. J'ai fait Los Angeles, j'ai fait la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. L'Espagne, la Catalogne, j'ai fait l'île de la Réunion, l'île Maurice, mais c'est tout. Je suis pas allé. T'as pas été au Japon? Non, au Japon, je devais aller faire l'ouverture d'un théâtre au Japon, à Kyoto. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Puis un autre théâtre aussi en Italie. Faire l'ouverture du théâtre aussi, mais le théâtre a pogné en feu. Ouais. Ça n'a pas marché. Mais le début de l'écœurantite aiguë de faire des shows, ça a été pas mal en Allemagne, parce que là, j'avais fait le Bavarian les Oscars allemands. Ouais. Et Bavarian Awards. Et on a fait des numéros, tout ça, ça avait bien marché. Puis là, il y a un producteur qui voulait que je reste en Allemagne pour 4 mois dans un théâtre, exactement comme à Paris. Puis là, je me disais, attends un peu, là, 4 mois ici, 4 mois à Paris, là, il faudrait quoi, là, que je fasse 4 mois en Suisse, 4 mois en Belgique, 4 mois... Là, qu'est-ce que j'ai plus de vie, moi, là? Ouais. Mais je n'ai plus de vie. Fait que j'ai refusé. J'ai fait non, je suis jamais capable. T'sais, il faut que. Ouais. C'était-tu la première fois que tu refusais de quoi de gros, genre pareil? Ben. Ça commençait. C'était la première fois, en fait, que je mettais mon pied à terre. Ouais. Je disais, là, c'est assez, je peux pas plus que ça. C'est là. Ça, là. Parce que là, tabarnak. Vous allez me tuer. Ça finissait là. Plus, ouais. Là. Ben, en fait, ils m'ont tué. Ouais. Mais j'ai participé à ça aussi. Mm-hmm. Parce que quand t'es bipolaire, t'as contribué, moi, tu prends des décisions, mais il faut que tu vives avec après. Mm-hmm. Fait que quand t'es dans un high puis que tu prends des décisions, ben, tu sais, c'est genre, bon, oui, book-moi 250 shows par année, ça va être beaucoup. Ouais. Puis là, tu t'entends dans Montréal, tu fais une coupe de show, tu reviens à Paris, t'es fatigué, pouf, tu pognes un down, puis là, t'as 250 shows à faire. Là, t'es comme Chris, pourquoi? Ah là, pourquoi que j'ai fait quoi, ça? Là, t'sais? Là, sûrement que tu t'en veux, puis que. Ben là, tu t'en veux, puis c'est un train qui peut pas s'arrêter. Là, ouais. C'est toutes des salles de 1500, 2000, des zéniths, tu sais. Tu peux pas arrêter. Mm-hmm. Fait que tu peux, mais ça va être le bordel. Ouais. Fait que non, puis ma santé, même c'est un médecin qui me suivait à la fin dans ma tournée, un médecin sportif, puis que lui, il en revenait juste pas parce que je faisais sur scène. Il dit, tu sais, moi, mes athlètes, là, ils vont s'entraîner toute la semaine, mais ils vont faire en sport réel, là, ils vont faire 7 minutes par semaine. Tu comprends? Si c'est quelqu'un qui fait le 100 mètres,
ben 7 minutes dans sa semaine, il va être concentré à faire du 100 mètres, mais comme s'il était en condition des Olympiques. Là. Mm-hmm. Donc, il dit, toi, c'est pas normal. Il dit, tu fais 2 heures de sport par soir. Mm-hmm. C'est pas normal, c'est pas bon. T'es, de performance. Tu ouais. pratiques pas, là, tu le fais. Là, ouais. Fait que, ouais, OK. Fait que là, après chaque... parce que là, je perdais beaucoup de gras et j'arrivais pas à le remplacer. Fait qu'il me faisait manger des cochonneries. Il fallait que je mange un gros spaghetti sauce bolognaise puis une pizza. Ça, c'est ton médecin? Ouais. Avec 4 cokes. Je mangeais ça à 4 heures. Puis après le spectacle, un gros bol de pâtes. Juste des pâtes. Juste pour des pas sucre, perdre. Des sucres lents, puis pour ouais. essayer de prendre du gras. Ouais, c'est ça. De reprendre, parce que d'ici, tu commences à brûler des muscles, là, c'est le début de la fin, là. Ouais. Puis j'étais mec, tu le vois, ces vidéos, c'est comme... Ouais. J'te mais penses-tu que c'est la drogue qui aidait pas, ou... Je me droguais pas dans ce temps-là. OK, pas encore. Moi, je me suis drogué et je me suis bu de l'âge de 31 ans jusqu'à 34 ans. OK. Ça a été un 3 ans de gros party. Ça, c'est genre quand tu as eu ta crise de panique sur scène après ça? Non, c'était pendant ça. Pendant ouais. ce temps-là. Okay. Oui, exactement. Fait que là, tout le temps, tu parles genre... En 96, en ouais. fait, là, j'ai arrêté à Montpellier, dans un zénith. J'ai arrêté de faire de la scène. Mm-hmm. Je suis revenu à Montréal. J'étais marié à l'époque, ouais. ma femme m'a laissé, j'ai perdu plein d'amis, ma famille, tu sais, je voyais plus personne, fait que tout le monde m'en voulait un peu, puis c'est bien normal, là. Ouais. Je suis revenu à Montréal, j'ai fait une grosse dépression, mais qui avait déjà commencé, là. Mm-hmm. Et quand tout ça m'est arrivé, j'ai commencé à consommer beaucoup, parce que moi, on m'avait dit... Tu vas voir, Michel, quand tu vas voir la grosse maison, le char, le garage 2 portes, le chien, la piscine, la femme, tout, quand tu vas tout avoir, c'est là qu'est le bonheur. Je fais ça. Ah, OK, je savais pas. Tu sais. C'est top, intéressant. J'avais tout ça. J'ai tout eu ça. Puis j'étais tout seul. Fait que j'étais comme en haut de la montagne au niveau de la popularité, mais j'étais tout seul. Ouais. J'étais millionnaire, mais tout seul. J'avais plus d'amis, j'avais plus de relations, j'avais plus rien. Je dis, Chris, on m'a promis que ouais. c'était pour être j'ai tout là. Fait, là. J'ai tout ça. Ouais. Je veux dire, tu sais, que je broille sur un sofa de 500$ ou de 5000$, c'est quand même la même tristesse. Non, c'est la même souffrance. C'est la même souffrance, la marnaque. Fait que j'ai fait, ben, manger toute la ciboire de marde. Ouais. Manger toute de la marde. Gérant, producteur, tous les gens qui travaillaient sur le show, ouais, mais pense à eux autres, fuck you! T'sais. Moi, ma famille me disait, mais non, lâche pas ça, voyons donc, t'sais, c'est payant, putain, je non, je veux rien savoir, je veux plus rien savoir. Et là, je suis tombé dans l'alcool, la dope, pendant 3 ans. Ça a été un 3 ans de party. Okay. Puis là-dedans, il y a eu le soir d'impro raté. Et ce soir-là, je voulais jouer sans médication. Fait que j'ai pas pris mon Rivotril ouais. parce que le trac j'étais plus capable de le supporter. Fait que je prenais du Rivotril pour me des t'es fois j'étais gelé en tabarnane quand j'arrivais sur scène. Ouais. Mais pas gelé sa poudre ou pas sous là. Non, j'étais non. gelé de pilules médicaments prescrits ouais. là, tu sais, c'est des médicaments dans la famille des benzodiazépines, c'est-à-dire que c'est un médicament très addictif. Qu'il faut toujours que tu en prennes plus. Fait que, tu sais, moi, il m'avait donné 0,5 mg par crise de panique, mais je t'ai rendu que je prenais 8 mg. Ouais. C'est comme 16 fois la dose, tu sais. Fait que j'avais décidé de rien prendre, puis c'est là que j'ai jammé. J'ai carrément jammé sur scène, là, j'ai fait que je ne serais pas capable. Ouais. Je ne serais pas capable, je suis trop stressé, j'ai trop le trac, j'ai plus d'idées. Une grosse crise. J'étais écœuré de faire ça, tout le monde me fait chier. Ouais. Fait que j'ai sorti de scène, mais je l'ai-tu regretté? Je me rappelle pas où j'ai regretté, mais en tout cas, c'était comme un... Comme, c'est drôle, c'est... comment il s'appelle le chanteur, là?
Claude Dubois? Non. Robert Charlebois? Non. Le piano est de même, là. Je sais pas. Voyons Stevie aussi. Wonder. J'avance avec toi. Il chante pour l'accueil Bono, là. Oh, Dan Bigra. Dan Bigra. J'avoue que c'était... C'est Chewbacca ou Dan Bigra. Puis c'est lui qui avait dit à mon gérant, il dit, il avait défini ça, lui, ce soir-là, comme un suicide. C'était un suicide artistique. Un suicide professionnel, ouais. Hein, ouais. Ouais. Puis c'était vraiment ça. J'ai fait comme... Toutes les caméras sont là, les radios, tous les journaux, c'est beau, tout le monde est là. Fuck you! Ah ouais. Fait que ça a mis fin à ma carrière parce que je voulais que ça arrête anyway. Fait que là, j'ai comme dérapé encore pendant plusieurs mois. Mais sauf que là, j'étais plus capable d'arrêter de déraper. J'étais plus capable. Mais c'est quand même une bonne affaire que t'aies fait ça parce que oui. Tu t'arrêtes tué, là, ou là. Ben c'était. Tu sais. Ben quand j'ai arrêté de consommer. Tu sais, c'est ton corps, ta santé mentale qui te parlait, genre de. Je m'appartenais plus. Ben, c'est ça, là. Parce que quand là, t'as faut tout, que tu pognes une pause. Quand là, t'as ouais. tout, t'as pas supposé d'avoir de problème. Mm-hmm. Tu sais, tout le monde te dit ça. De quoi tu te plains si t'as tout? Ouais. Pas sûr, moi. C'est pas parce que t'as tout que t'as rien, là. Ouais. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais. Ça a dérapé. Fait que oui, ben, ça a c'est du ça. Bon. Il y a du bon, mais il y a du mauvais dans tout. Je veux dire, ouais. Moi, quand on me disait, tu vois, l'argent, tu sais, c'est positif. Mm-hmm. Pas tout le temps, là. Il y a le côté négatif, ben, c'est que tout le monde t'en demande, est-ce que, là. Tu sais, c'est sûr, c'est cool d'avoir la sécurité financière puis le confort qui vient avec, mais. Ouais, mais pas comme sûr. Pas au détriment de. Sur gagner de l'argent, là, tabarnane. À un moment donné, j'ai pas besoin de plus que ça, là. Ouais. Tu sais, j'avais une grosse maison à Outremont, puis je me servais de la pièce derrière où il y avait la TV puis du sofa. Puis le reste du temps, je mangeais au restaurant. Puis je dormais en haut. Qu'est-ce que je faisais avec cette affaire-là? J'en ai aucune idée, là. Je savais pas ce que je faisais avec cette maison-là. Non, ça. Mais, T'as Outremont, calice! Ouais, exactement. Tiens, c'est quoi, tu te plains de t'as Outremont? Fait que c'est ça. Non, c'est parce que mon téléphone vient de vibrer. OK. Ça m'a déconcentré un peu. Alors, mais quand j'ai décidé de demander de l'aide pour arrêter de consommer, ouais. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la clinique, j'ai dit, je vais venir ici dans une semaine, puis... je vais suivre le programme, puis patata, je venais juste comme payer, puis elle dit non, on va te prendre aujourd'hui. Je dis non, je vais prendre une semaine, là, je vais voir mes chums, m'en parler au monde autour de moi, là, leur dire qu'est-ce qui s'en vient, puis je vais revenir dans une semaine. Elle dit tu reviendras pas. Je dis non, je vous le dis, je vais revenir, là. Je veux arrêter. Là. Non, tu reviendras pas, là, tu vas sortir, tu vas aller consommer, puis elle avait raison, je suis sorti, puis je suis allé consommer. Pendant une semaine, mais je suis revenu. La semaine après, je suis revenu. Je dis, bon, ben là, je suis prêt. Ouais. Puis j'étais dans. Puis j'avais peur de me faire reconnaître. Puis gna gna gna. Puis... À un moment donné, j'ai lâché prise. Là, je fais pis, tu sais. Ouais, tu t'en codes. Ah, vraiment. Puis c'est là que j'ai rencontré Gilles, mon thérapeute. Ouais. Puis là, je me rappelle y avoir dit j'ai mal en dedans, mais je sais pas pourquoi, tu sais. On va s'en occuper. Puis effectivement, ça a pris là. Tu vois, ça fait 21 ans qu'il me suit. Mm-hmm. Ça fait 21 ans, c'est qu'il est mon thérapeute. Puis il t'a jamais lâché. Il m'a jamais lâché. Ouais. Et ni le médecin qui est là, qui est rendu à 76 ans, M. Chiasson, lui, il me suit encore. Puis, ouais. Fait que ça. C'est sûr que ça a été extrêmement difficile. Mm-hmm. Mais vraiment tough, là. Vraiment, ouais. Vraiment. Le sevrage, là, c'est-tu que ça a été tough. Mais j'avais tellement pris ma décision que peu importe ce qui était pour m'arriver... Tu décrochais pas là-dessus. Exactement. Ouais. Puis j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Faut que j'attende de mourir. On revient tantôt.
Mais c'est ça, mais t'as, par exemple, t'as jamais renoué avec la scène comme avant, après ce moment-là? Écoute, le seul moment où j'ai réellement senti que je renouais avec la scène... C'est en 2005? C'est... non, il y a deux ou trois étés à Comédia. Ouais, c'est ça, t'as fait le numéro du batteur, là. L'année d'après, j'ai fait le batteur, mais l'année d'après, ouais. Kev Adams, qui est un humoriste français, ouais. Il voulait faire un numéro avec moi. OK. Fait j'ai dit OK. Fait qu'on s'est téléphoné, on a parlé, tatata. J'ai dit OK, laisse-moi penser à quelque chose. Je vais prendre de quoi. Fait que je pond quelque chose, je l'appelle. J'ai dit qu'est-ce que t'en penses, mettons? T'sais, tu dis toujours que tes premières arrivées à Montréal, ça a été magique, nanana. Ce qui serait peut-être drôle, c'est de te voir, toi, raconter quand t'es arrivé, puis que moi, je mime à côté la réalité, t'sais, ce que tu caches mm-hmm. de ton arrivée à Montréal. T'sais, ça s'est pas si bien passé que tu le racontes, là, t'sais. Ah, OK. Fait que ça a super bien marché. Mm-hmm. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose de nouveau avec quelqu'un, puis que je cassais ça à Comédia. Ça a été pour moi un moment assez clé dans mon évolution, parce que la semaine après, j'ai appelé Sylvain Parent-Bédard. Je dis regarde, si tu veux que j'anime un gala l'an prochain, là, pas de trouble. Si tu veux que... C'est comme si une page qui avait été tournée, ouais, genre comme de... Comme si là, j'avais réglé plein d'affaires. Ah, ouais. Moi, je me suis fait hypnotiser pour le track. Pas par remerciement. Puis ça, non. Bon, j'aurais pu. Mais je me suis fait hypnotiser pour me débarrasser de mon track. Okay. Et ça a marché. Ah, j'avais ouais. plus le track. OK, penses-tu c'est comme un placebo, fait... genre... Non, non, non. Ce qui a fait, le gars, c'est que... Il m'a fait un copier-coller ouais. dans ma tête ouais. de comment j'étais au début, quand je faisais de la scène. Mm-hmm. Comment je me sentais il au début. Il t'a remis genre dans ses souliers-là. Il a fait un copy-paste de ce feeling-là, puis il me l'a mis aujourd'hui. Ah, ouais. Aujourd'hui, je me sens exactement comme si je commençais à zéro. Là. Ah ouais. C'est vraiment ça le fun. Ça fonctionne. Pas de stress, pas de... Je suis content d'être là, ouais. Je suis sur la scène. Puis quand j'ai fait le batteur, là, je voulais... Mon gars, je chiais des tacs, là. C'était épouvantable. J'avais jamais eu le track de même. Ah, oh, t'avais pas aimé ça? Ah, oh, j'ai pas aimé ça pendant tout. Oh, shit. Ah, je suis okay. sorti de là. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu de le faire? Je voulais le faire pour ma famille. En fait, je le faisais pour mes nièces puis mes neveux. Qui t'ont pas vu, genre? Qui m'ont jamais vu sur scène. Ouais. Fait que là, je voulais leur offrir ça. Okay. Là, ma mère était là. Mm-hmm. Puis patata, patata, fait que, mais bon. Qu'est-ce qui t'a convaincu de le refaire avec Kev Adams ou de refaire un numéro? Tu t'es dit, vu qu'on est deux... Qu'est-ce qui m'avait convaincu de ça? Il y a dû avoir un autre événement, là. Mm-hmm. Je me rappelle pas quoi, là. Ah oh, non, c'était les Oliviers. OK. C'était les Oliviers. C'est-à-dire que fallait que je remette un prix pour la radio. OK. Tu le faisais-tu tout seul ou avec quelqu'un? Je le faisais tout seul. OK. Ouais. Et puis, là, ils m'ont annoncé, mais ils m'ont annoncé, esti, calvaire. On aurait dit que je les avais payés, là, tu sais. Comme un hommage, ou est-ce que... Quasiment, c'est non, ouais. La légende, le la seul, légende! L'unique Dodge Ram! Pas mourir pour être une légende. Fait que je suis rentré sur ça. Mais avant de rentrer, là, j'étais pas nerveux pantoute. Puis c'est là que j'ai senti que l'hypnotiste avait fait un petit bel job. Ah, oh, parce qu'entre les deux, t'avais ouais. été le voir. Ouais, okay. C'est ça. Fait que c'est ça qui t'aurait donné la confiance. Exactement. De... Ben non, qui m'a enlevé la peur. Ouais. C'est ça l'affaire. Fait que je suis rentré sur scène, puis là, tout le monde était debout. Mm-hmm. Et ça m'a pris de court parce que je venais présenter un prix. T'sais, fait que j'arrivais au micro, puis. Mais là, les gens étaient debout, fait que je pouvais pas parler tout de suite parce que mon gag, c'était. On va faire ça vite, là, j'ai une diarrhée. Bon, ouais. Dans la catégorie dadada, puis là, je me retenais, tu sais, pour pas chier dans mes culottes, tu sais. Mais là, standing ovation, tu sais. Fait que là, fallait. Qu'est-ce que je fais, Chris? T'aurais pu juste le dire. Si c'est vous, Congis! OK. Là, il commence à se rasseoir. OK, on va faire ça vite, j'ai une diarrhée. Mais là, ça fitait plus, là, tu sais. Ça...
Puis là, j'ai raté mon affaire, puis ça m'a tout fucké. Mais je suis sorti de scène, j'ai fait « Asti, c'était bien drôle. » Ah ouais? Puis j'avais le goût de remonter quasiment, là, tu sais, pour déconner, pour faire n'importe quoi. Puis, et c'est là que, quand ça a convaincu, m'a contacté, j'ai dit « Ben oui, on va... » OK, pourquoi pas? Ben oui, ça m'a vraiment... Puis là, tout de suite après, j'ai appelé Sylvain Parent-Bédard, je dis « Regarde, je pourrais faire ça l'été prochain, J'étais bien ben excité. Ouais. Mais là, j'ai eu une appendicite au mois de le 11 septembre. C'est mes deux tours intérieurs qui sont tombés. Mm. Un avion me rendrait dedans. Fait que t'as pas pu l'animer? Ou... Ben en fait, c'est que là, j'ai eu cette affaire-là, l'appendicite, mais au mois de septembre. Fait que là, septembre, octobre, novembre, décembre, j'étais sur le carreau. J'ai été opéré d'urgence, mais c'était tellement dégueulasse qu'ils ont trouvé, là, puis il a fallu qu'ils passent la balayeuse, puis j'ai failli y passer. Là, mm-hmm. Là j'avais de l'eau dans les poumons, en tout cas, c'était le bordel. Ah, ouais. Ah, c'était le bordel. Puis là, janvier, février, mars, là, j'étais fait faible un peu, pas m'entraîner. Là, bah, la pandémie, là, tu sais, tout déboulait, là, tu sais. Ah, OK, ouais. Il n'y a plus rien qui marchait, là. Ah, Christ. Fait que j'ai fait, bon, ben, puis là, même Sylvain, il m'a appelé, il m'a dit... Hey, ça te tenterait-tu de faire une recaptation de tous tes numbers? C'est ça que je voulais faire, moi. Mm-hmm. Faire une recaptation de tous tes numbers. T'sais, on ferait ça dans un local. Pas de public à rien. Tu fais juste tes numbers. On fait une captation. Là. Je regarde, j'ai 56 ans. Là. J'y arriverai pas. Ouais. C'est sûr et certain, j'y arriverai pas. Je viens de traverser ça. Là. Là, en plus, j'ai pris du poids. J'ai arrêté de m'entraîner. Ouais. Et patati et patata, j'y arriverai jamais. Ouais. Il dit, t'as 6 mois pour t'entraîner. Hey, regarde, si c'était si facile que ça, le fais-les donc, toi. Non, c'était une blague, Sylvain. Mais en fait, là, j'ai un spectacle avec eux, avec Comédia à Québec. C'est-à-dire que c'est un show qui est écrit par Daniel Brière, mm-hmm. Qui met en scène toutes mes numbers, mais qui vont être faites par d'autres humoristes. OK. Fait que ce spectacle-là, d'après moi, on va pouvoir le... Okay. De promener un peu à travers The Planet. Puis toi, c'est quoi? Est-ce que tu es juge ou tu le non, regardes? Non, moi, ce que je vais faire, c'est... mise en scène? Je fais l'ennemi. Non. Je fais le... Je vais entraîner les humoristes à faire mes numbers. Okay. C'est moi qui vais faire le casting avec Daniel et aussi les producteurs. Ouais. Mais, tu sais, on va être à la recherche d'humoristes qui ont une certaine folie puis qui sont capables de s'exprimer physiquement. Là. Ouais. Alors, ça sera pas évident. Il faut qu'on en trouve 5. Mm-hmm. Ça sera pas évident, mais ça vaut la peine parce que là, tu sais, il y a des gens que je connais du Cirque du Soleil là, qui est mort, qui, eux autres, ont travaillé avec pas mal tous les clowns mondial, si tu veux, pour le Cirque du Soleil. Fait que ils ont une liste de casting incroyable. Ce serait ça serait pas juste au Québec, là, tu la regardes. Non, ben non. Ça serait à travers le monde. On le lancerait au mois d'août 2022. OK. Après ça, à Paris. Puis à partir de là, ben Belgique, Suisse, Espagne. Ah, that's it. Fait qu'on peut aller jusqu'en Allemagne. Puis éventuellement, on pourra aller en Chine. C'est un beau projet, ça. Ouais. Mmh. Ah, c'est cool. Ouais. Là, je vois que le temps avance. C'est vrai? Ouais, puis ça, je sais. Tu m'avais dit. Ouais, m'a dit ouais, comme toi, on va pas le temps passer. Je vais te parler en 2000. T'as fait genre une chronique au Gingras Gonzalez. Hein. Pis t'as fait une chronique. Ouais, genre. Ah, oh, avec Martin Petit. Ouais, puis ouais. Les deux, vous êtes en train de plié de rire, là, vous êtes plié en deux. Aucun bon sens. Puis pourtant, tu sais, le gag, tu sais, t'es un bon gag, correct, mais vous êtes juste capable d'en venir. On était juste pas capable de le faire. En fait, quand on l'a écrit le matin même, là, ouais. C'est que lui, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec son portefeuille, tout ça. Puis moi, je faisais un genre d'avocat véreux qui parlait quand même un peu à la comment il s'appelle donc notre il parle comme ça là notre président là notre Jean Chrétien qui était un hybride entre les deux mais c'était les estis de carton
c'est que ouais. c'était, je voulais parler de progression, mais qu'il y avait plusieurs façons de le voir. Ouais. Tu sais, il y a progression, progression, agression, mais ça avait aucun calice de bon sens. Ouais. Puis quand on le faisait, on le répétait, on riait tellement parce que ça avait pas de sens. Parce que le gars, il dit rien. Il fait juste comme splitter un mot en quatre. Ouais, c'est ouais. tout. Fait que là, on le répétait, puis on partait à rire aux mêmes places, puis on partait à... Puis là, on s'est dit, OK, ça n'a pas de bon sens. Là, mais quand les Kodak vont être on, ça va nous shaker, puis on va être dedans au ouais. bout, là, tu sais. Comme de fait, aussi. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, puis là... C'était déjà parti. Progresse! La face à Martin, là, c'est un mime en soi. Là, il est crampé. Mais il essaie de se retenir. Puis moi, j'ai juste comme parti à rire un peu plus tard, mais j'essayais de me contenir, mais quand j'y vais à la fin, je me disais. Ah, OK. Non, ça... ça marche. Ah ouais. Fait que vous avez juste ri. Oh ouais, puis il y avait une finale, tu sais. C'était niaiseux, là, tu sais. Mais ouais. La finale, c'était progression. Puis là, il me posait la question. Ouais, mais mon portefeuille... Ah, ben j'ai le document justement dans ma valise. Là, je me penchais, mais je m'en allais à quatre pattes me sauver. OK. Là, il y a un Kodak qui devait me suivre. Mais c'est jamais arrivé, finalement. OK. Mais ça, c'est CNN, là, c'était vraiment un laboratoire. Hey, écoute, ils étaient tous là, Laurent mm-hmm. Paquin, Dominique Paquet, Martin, Larocque, Patrick Groulx, Jean-Claude Gélina, Nantel. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Pierre Brassard, Cathy Gauthier. Non, Pierre Brassard. Ah, c'est pas mal avant. Oh, lui, c'est bien. T'as quel âge, toi? 29. Ah, c'était écrit, là? Non, fais jurer. T'as 29? Ah, t'es jeune en tabarnant. Ouais, je me souviens jamais, moi. C'est il y a 20 ans, c'est les CNN. Mais on est supposé faire un revival, là. OK. De CNN. J'avais une autre question, puis là, je sais, tu sais, je veux pas trop prendre de ton temps. Vas-y. Mais... j'ai vu ça, puis c'est la première fois que j'entendais parler. Tu t'es fait, genre, t'as infiltré le clan Rizzuto sans, à ton insu. C'est-tu vrai, ça? Ou ben, ça a l'air. Je l'ai appris aux nouvelles, comme tout le monde. Ah, OK! Parce que j'étais à Cuba, puis j'étais avec... j'avais rencontré des gars là-bas, là, tu sais. Hein? Blanco ou de quoi? Oh, je sais pas, là. Okay. Juste deux gars de même, là. Ouais. On jasait, puis gna. Et ça a l'air que j'ai discuté avec le clan Rizzuto, mais je savais pas c'était qui. Ouais. Je connaissais pas, moi. Puis j'étais en vacances, moi, là. J'étais à Cuba, m'en fous, là, tu sais. Mais ça a l'air que j'ai soupé avec eux autres, ou quelque chose de genre, puis que j'étais proche d'eux autres, et la police qui était à Cuba pour les espionner ont fait venir des agents de la GRC à Cuba, puis qui auraient forcé un peu mon entrée chez les Rizzuto, là, tu sais. Et j'ai rien vu. Non, ouais. J'ai rien vu, moi, là. J'ai joué au golf, faisais des châteaux de sable. Oui. Moi, ouais. Je stylais, là, tu sais. Puis j'essayais de bien manger, mais t'étais à Cuba. Ça goûtait comme si c'était moi qui avais fait la bouffe. C'était dégueulasse. Et j'ai rien compris. Ouais. J'ai rien compris. Puis quand j'ai vu le reportage à la télévision, ou c'était à la radio? À JE. À JE, c'est ouais. ça. Il disait, mais on veut dire que M. Courtemanche n'a rien à voir dans l'histoire, on s'est juste servi de lui pour ta-ta-ta. Mais là, c'est pas ça, c'est. Mon frère. Ouais. Mon frère Jean. Calice. Là, il a infiltré les Rizzuto. C'est dangereux, ça, là. Il va venir nous gagner. Puis là, il voulait plus parler à mon frère et à ma soeur parce que il avait peur d'être écouté. Ah ouais. Alors, lui, il a capoté. Il a vraiment capoté, le pauvre Jean. Parce qu'il était avec toi en vacances? Non, il était à Montréal, mais quand il a vu J.E., ouais. il en revenait juste pas, là, si j'ai infiltré les Rizzuto. Okay. Je sais pas ce que j'ai fait, moi. Ah, oh, fait qu'il t'appelait plus ou il te parlait ouais, plus? Okay. Il avait peur, tu sais, d'être surveillé, là, tu sais. Il se tenait loin de toi comme t'avais la peste. C'est ça! Mon frère va se faire tuer.
tué par les risottos. Puis ça va me retomber dessus. Non, mais je comprenais rien. Ouais, ouais. Puis quand ça a passé à la TV, écoute, j'écoute jamais J.E., tu sais. Puis là, j'écoutais ouais. ça, là. Hein? Quoi? Quoi? Hey, qu'est-ce que c'est ça, finalement, il s'est rien passé après. Il s'est jamais rien passé. Ouais. J'ai pas eu de personne qui m'a coulé les pieds dans du béton ouais. ou dans des restants de café. Là. C'est ça. M'a rempli de pâte. Je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Finalement, ça. C'est ça. Ouais. OK. Puis, ben, c'est pas mal. C'est pas mal tout. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ben, c'est ça. Non, mais tu sais, je voulais faire ben, sûr. Ben non, mais t'as-tu toutes tes questions? Ben, il y en avait une dernière, mais sûrement tu as déjà répondu. Là, c'était, ça a l'air que tu t'avais fait plagier par Mr. Bean. Ah oui, ben, Rowan, ouais. Ouais. Ouais, le numéro du batteur. Ouais. Mais l'anecdote, c'est j'ai fait mon numéro du batteur côté francophone. Mm-hmm. Ça a super bien marché, fait qu'ils m'ont mis à la fin du gala du lendemain. Ouais. Puis là, ils ont fait, qu'est-ce, on pourrait le passer côté anglophone. Ouais. Alors, je suis allé faire le côté anglophone. J'ai fait mon batteur. Je suis sorti de scène. J'ai pris le corridor en dedans. Et là, j'ai regardé dans une loge et il y avait Rowan était là. Rowan ouais. Atkinson. Monsieur Bean. Monsieur Bean. Ouais. Il était là, puis il m'a regardé de même. Là. Là, je continue. Quelques semaines plus tard, il faisait le numéro du batteur à New York. Ah ouais. Puis c'est Andy Nolman, justement du penchant anglais de Just pour Rire, là, Just for Laughs, ouais. qui il l'a vu faire le numéro. Il est allé voir son gérant. Pour lui dire. Puis là, le gérant dit « Ah oui, oui, comedian did the numero the round of Candlelight, the pants around again, the round of Baden. » Ouais. Il dit, ouais, c'est ça le numéro de Michel. Là. Il dit, ben, c'est ça, on pense que l'idée était dans les airs. Puis, mais honnêtement, je m'en calisse. Ouais. C'est vraiment pas. Tu sais, j'ai été copié au Mexique, au Brésil, en Chine, au Japon. Tu sais, il y a plein de gens qui font mes numéros à travers la planète. Fait que. Tu sais, puis tant mieux. Tu sais, je veux dire, si ça fait le tour, puis que. Les gens aiment ça, puis ça fait rire, puis bon, ben voilà, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense que c'est l'affaire que je suis le plus fier, c'est ce catalogue-là de numéros visuels qui traverse les années, puis tu vois, ça fait plus que 25 ans là, que je fais plus de scène. Ben, c'est ça, 96. Puis ça marche autant. Mm-hmm. T'sais, c'est ça que ça me. Fait que ça te ferme pas des portes que quelqu'un. Pas du tout, non. Ouais, c'est pour ça que ça t'en fait pas plus quelque chose. Si t'avais continué la scène, tu m'as. Si j'avais continué la scène, j'aurais dit, écoutez, je le fais déjà, là. Hey, elle connaît les risottos, là, moi. Non, mais tu sais, il y en a un, là, qui fait l'haltérophile, là. Comment il s'appelle, donc. Ah, je me rappelle pas de son nom. Mais lui, c'est tellement évident, tu sais, comme t'en parles. Ah ouais. C'est Aziz, là, tu sais, mais c'est quelqu'un de connu quand même. Rob Spence. OK. Rob Spence. Lui, puis il y en a un comique qui faisait mon show complet au Brésil. Mais tu sais, il faisait pas des représentations genre 4 mois dans un théâtre parce que là, j'aurais dit, garde, je vais prendre les droits d'auteur. Moi, ouais, c'est ça. Ça te dérange pas, là? Ouais. Mais c'est ça, moi, ça me. Même dans, écoute, à un moment donné, je m'en vais d'un Club Med et il y a un Québécois qui est là, qui est Géo, puis qui dit hey, surprends-toi pas à soir, je vais faire un de tes numéros, tu sais. J'ai ah, OK, lequel? Il dit le golfeur. Ah, cool, regardez ça. Tu sais. J'ai rien compris. Ah ouais? Il l'avait tellement pas, là. Mais je comprenais pas, il était rendu où dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faisait. T'sais, c'est un numéro que j'avais rodé et que je connaissais par cœur, mettons. Ouais. Puis le seul gag qu'il a gardé, c'est de se mettre les mains dans les poches puis jouer après les gosses. Okay. C'est la seule affaire que j'ai faite. Ah, il est rendu là dans le sketch, OK. Mais c'était mauvais, les gens riaient pas. J'avais quasiment le goût de me lever. Mais ça rit d'habitude. Ouais. Mais là, non. Ou tu t'en vas le voir après, tu dis hey, surprends-toi pas, là, mais. Tu vas pas voir le gars après. Là. Pas, là. Ah, j'ai dû partir. Ouais. Pris l'avion, je te tanne. C'est
tellement chier, je retourne dans mon pays. Je retourne à l'écriture parce que c'est trop mauvais ce que j'ai fait à soir. Tabarnan. Ah non, pauvre petit gars. Fait que voilà. Ouais. Hey, ben, t'as merci. Même ton nom sur... Ah ouais, les affaires. Ah ben, tabarnan. Ça rock! Mais c'est-tu Jerry ou c'est Jer? C'est Jer. Mon vrai nom, c'est Jérémy. Ah. Mais, tu sais, toutes les Jérémy se fait appeler J. Fait que moi, mes chums, ils m'appelaient Jer. Ou sont appelés à aller en cours. Ouais. S'appelais-tu Jérémy? Non, non, c'est le petit Jérémy. Ah, OK, oui, OK, je pensais que tu parlais de Julien. Oh my God. C'est une autre portion de... une autre portion de l'entrevue. Tu vas faire du montage, hein? OK, all right. Ben, à cause de toi, pas le choix. Tout allait bien jusque-là, là. Non, mais, hey, merci, Michel, c'est vraiment apprécié. Ça m'a fait plaisir. Thank you d'être venu, man, de t'avoir déplacé. C'est vraiment apprécié, mon gars. Mm. Puis, fait que c'est ça, si on veut voir tes projets qui s'en viennent, tu l'avais là, dit. Là, ça va être comatv.tv à la fin du mois de décembre. Ouais. Là, avec les retards de la COVID, là, c'est plus tight, là, mais on va voir. Puis. Ton émission, là, parlais. Là. L'émission. Ben, genre que. Il y a des clowns qui vont refaire tes numéros. Ah, oh, le spectacle live. Ouais, c'est ça. OK, je pensais que ça me parlait d'une émission. Une émission, moi. Le spectacle live, ça va être mois d'août 2022. Mm-hmm. Et puis, sinon, entre-temps, ben, je fais que de l'écriture et l'affaire que j'aime le plus, c'est la planète, faire de la réalisation. Ouais. Ça, là, je veux juste faire de ça. Ah, t'as commencé avec Caméra Café, justement. Oui, 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 oui. Puis t'as accroché bien raide. Mais je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Ouais. J'ai tout laissé pour ça aussi, là. Ouais. Parce que je voulais faire de la réalisation. Mm-hmm. C'est ça qui est vraiment mon dada, là. Mm-hmm. Mm. Tu fais que ça te parle en crise. Hey, quand même ça. Bon, ben, je te souhaite le meilleur, mon gars, man. C'est cool en crise. Ben, merci, t'es bien gentil. Ben, merci, man. Juste thank you d'être venu, puis c'est bien apprécié. Ben, bienvenue. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et ciao! It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's up, podcast? Avec Jeremy Allen. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.